Yo les amis, c'est Kev, j'espère que vous allez bien. Donc c'est le début de la série sur le OP Prison. Donc si vous avez kiffé, si vous kiffez ce genre de série, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me donner vos conseils pour m'y mettre rapidement dans les commentaires. Très bonne vidéo. Allez, on va démarrer la série sur le OP Prison. Donc là, on vient d'arriver sur le OP Prison. On va se stuff. Donc il y a le warp tuto, mais bon, je m'en bats les couilles parce que bah, c'est moi qui ai fait le serveur, donc je sais un petit peu comment ça fonctionne. Je prends le bonus gratuit. J'ai eu quoi? J'ai eu des pommes. 60 points pioche, ok c'est parti. Donc les clés vote, les clés tout ça, on s'en fout un peu. Ok, j'ai quoi comme enchantement pour démarrer sur le serveur? Ok, ça va être galère, ça va être très très galère. On va aller directement sur le warp A. Et on va commencer à vendre et jouer tranquillement Pépère pour essayer de monter au moins le rank. Ouais, au moins un rank E, quoi, ça serait pas mal. Allez, c'est parti, on va miner tranquillou. Donc quand on mine, normalement, on est censé recevoir des clés. Des clés mineures, et les clés mineures en fait ça nous permet d'avoir des boosts quand tu vas miner et tout, donc j'espère que je vais en avoir. Donc là si j'en ai, ce que je vais essayer de faire c'est de l'activer directement pour vite monter tranquillement. Les éponges ça va me permettre d'avoir des choses si j'ai de la chance. Je viens de voir que j'ai cassé un bloc d'éponge, frère, j'ai rien eu. Il s'est foutu de ma gueule quoi, il a rien à branler. Ah bah je peux rock up là, je suis con. Slash rock up. Voilà, je suis à la B, je peux encore rock up. Je peux encore rock up. Ah non, il me faut 100K. Ok. Ok. Donc là, je suis déjà rancé. Donc en fait, la vidéo va aller plus loin que je le pensais. Très simplement. Ah, j'ai pas le Keylocker sur ma pioche. C'est pour ça en fait que je trouve pas beaucoup de clés. En fait, le Keylocker, ça te permet d'avoir beaucoup plus de clés. Ça peut être une technique peut-être à débloquer. Le Keylocker, non, il est pas là, c'est pas au niveau des. Hop. T'as la mine C, elle s'est fait déglinguer la gueule. Déglinguer, hein. J'ai combien de points de pioche là? J'en ai 108. Est-ce que je peux passer sur une fortune? On va passer sur une petite efficiency. On va aller plus vite au moins. Tac. Et j'ai besoin de combien? 100K? 100K pour rank up la prochaine mine? Ouais, 100K. Est-ce que dans le pet shop, il y a des gens qui vendent des choses intéressantes? Parcourir les catégories. Non, attends, elle est là plutôt. Shop de The Pony, ils vendent un bouquin, on s'en fout. Et lui, qu'est-ce qu'il vend? Il vend des. Ok. Ok, c'est pas intéressant. Il n'y a pas de belles pioches en vente. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire un petit sel. Et le but de ma série, les gars, c'est essayer de monter le prestige 50 sans déconner, hein, sans se give, etc. Jouer avec vous sérieusement. Donc dans les commentaires ou dans les likes, n'hésitez pas à me montrer que cette série, ça peut être une bonne idée sur la chaîne. Et si vous avez des stratégies pour évoluer très rapidement, parce que là vraiment, je suis vraiment en train de galérer. Je ne savais pas que notre serveur, il était aussi dur à jouer, clairement. Bah, il n'est pas si dur que ça, parce qu'en soi, ça va très rapide. Là, je demande à quelqu'un qui me passe de la thune, qui peut me faire rock up. Parce qu'en fait, le truc que les gens. Ah, je suis VIP! Je suis VIP sur le serveur? Je suis VIP. Ouah, j'ai reçu 100 millions! 100 millions, gros, j'ai reçu 100 millions. Slash rank up. Allez, c'est parti. Mais frère, je suis déjà à la mine Devil si je veux là. Oh putain, je suis con, ça m'a kick. Mais le problème c'est que tu vois les gens ils m'ont passé de la thune. Mais le problème c'est que je vais pas pouvoir passer prestige très rapidement parce que parce qu'il me faut 150 000 blocs cassés. Et je suis qu'à 6 000 blocs de cassés. Donc certes j'ai. Tu vois j'ai pas la pioche pour. Tu vois quoi? Je perds du temps en fait avec cette mine. Donc je suis peut-être. Je sais pas, je suis quel grand là. Ah non, je suis VIP plus, c'est vrai, il y a un problème. Je suis vétéran. Mais tu vois, le plus avantageux, ça serait peut-être aller dans une autre mine. La X, je pense qu'elle est très intéressante. On va aller sur la X. En plus, on va avoir de l'XP, donc on va pouvoir un peu enchanter.
C'est galère hein, quand même. Ah ouais, cette mine elle est très rentable. Après, il faut savoir que ceux qui veulent des médaillons très vite, il y a vraiment plein de possibilités de les avoir. Hein. Il faut voter dans le OP PVP Sheet, pardon, dans le PVP Sheet, le OP PVP, putain, j'arrive plus à parler, le OP Faction, pardon. Vous pouvez gagner des KOTH et des totems, etc. Genre, c'est vraiment intéressant si vous avez une grosse faction pour gagner aussi des médaillons et participer, genre, à pas mal d'événements que Warcraft organise. Par exemple, les karaokés sur le Discord ou les trucs comme ça, c'est vraiment cool pour gagner des médaillons et toujours en s'amusant. C'est ça qui est cool sur le serveur, vraiment. Tac. Putain, on va passer 100 millions, frère. Les gars, ils sont riches, ils sont blindax. Après, je vais aller voir un petit peu ma cellule aussi. Après, on essaiera de faire une petite déco sur la cellule. Ça peut être intéressant. Ta-da-ta-ta. Tac, tac, bim, boum, bantaboum. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir mon premier prestige dans les premiers épisodes. Ça serait intéressant de les avoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Après les points pioche, vraiment, j'aimerais bien en avoir, mais je sais pas trop comment je pourrais en avoir un peu plus rapidement. Après, je viens de démarrer, quoi. Hein. Ça fait quand même seulement 10 minutes là qu'on joue. Ah, j'ai une clé mineure. Ok, cool. Slash spawn, on va activer notre boost. Clé mineure. En espérant que j'en ai une. Sell all. Donc, ça, je me suis fait de la thune. Là, j'ouvre ça. Attention, qu'est-ce que je vais avoir? Hein? En argent. Ok, d'accord, pas mal. Warp X. La Warp X, c'est ma préférée comme mine pour l'instant. Là, je suis XP 56. Donc, si je veux, je peux acheter des enchantements. Tiens. Livre d'enchantement, non, rare. On va prendre celui-là. Hop, hop. Ok, donc ça drop les items. Attaquer. Ouais, ok, j'y pue la merde. Il m'intéresse pas. Je vends mon kit MVP. Putain, combien? Combien le kit MVP? Ça m'intéresse. Le kit MVP, les gars, c'est une bonne pioche. Et cette pioche, elle pourrait peut-être nous aider dans la série. On pourrait déjà partir sur cette pioche. Combien elle va me le vendre? Combien elle va me le vendre? Tu me le vends combien? Tu as quoi en faction? Ah merde, ah, rien. Je joue que ici. Tu as quoi ici? Je viens de démarrer. Tiens, il va essayer de me la mettre à l'envers. Avec ER. Tu as une pioche, Blast? Non. J'ai que le kit du début. T'as un gars, ouais, il veut. Bah ouais, les gens ils cherchent le Blast, hein, c'est normal. C'est normal, c'est une rentabilité de dingue cette pioche. Tu précises tellement vite. Tu as des médaillons? 9. GG, un mec qui vient de passer un prestige. Putain, les pioches, ils se vendent à 1B, quoi. Putain. Mister fait slash kit et prend le VIP+. Ah, putain, bah oui, je suis con. Mais oui, je suis con, les gars. Putain, mais c'est les joueurs qui m'ont prendre le serveur, frère. Et en plus, je suis VIP+. Putain, mais je suis con, j'ai l'autocell, je crois. Non, j'ai pas l'autocell. Bah voilà. Voilà, là, j'ai une bonne pioche, les gars. Putain. Mais putain, mais je suis vraiment une teubée et... Bah ouais, là ça va aller 10 fois plus vite, putain, mais vraiment. Allez, j'ai une clé mineure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vite fait au spawn activer le boost. Ça peut être intéressant. En tout cas, cette série, j'espère qu'elle va vous faire plaisir, les gars. On va souvent miner. On va essayer de trouver des stratégies, essayer de trouver les shops des joueurs assez cool. Je trouve que ça change du PVP, il n'y a que ça sur internet et tout, genre ça gave un peu Minecraft. Là le OP prison, voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos proches ou quoi, et n'hésitez pas à vous sub. Et voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. C'est tout. Voilà, je raconte un peu ma vie avec vous.
J'ai reçu un médaillon. Les médaillons, c'est quand même galère à avoir dans le prison. Ça, par contre, je l'avoue. Les gens, ils disent que c'est pay to win. C'est vrai, c'est un peu pay to win, on va pas se mentir, mais voilà quoi. Genre, si tu veux des médaillons, tu peux aller aussi dans le PVP cheat, dans le DayZ. Tu vois, les médaillons, c'est une monnaie où tu as tout est relié sur tous les serveurs. Donc, bah voilà, je pense que ça peut être intéressant de jouer un peu dans tous les serveurs pour avoir des médaillons. Hop. Dans le prochain épisode, je pense qu'on va commencer à démarrer la cellule aussi. On va faire du build pour être dans le top cellule. Ça, c'est pas mal. Ça va être intéressant. Slash cell all. Ta ta la 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 la. Tu vois, les gens qui t'aident à rank up, c'est bien, mais le problème c'est qu'après t'es bloqué quoi, tu vois. T'es vraiment bloqué, tu peux pas trop. Tu vois, c'est pour ça qu'elle slash paye au début, tu vois, c'est intéressant, mais après t'es bloqué parce qu'il faut un nombre de blocs minés, c'est logique, c'est normal, sinon ça serait trop simple. Il y aurait pas de farm, et genre les gens ils se font tellement chier. Du coup, j'ai le fly. Ah ouais, j'ai le fly. Ah ouais, je suis vie plus. Ça c'est intéressant pour éliminer les blocs en hauteur. Hop là. Tac. Donc là j'ai eu 4 clés vote. Je vais regarder ce que je vais avoir d'intéressant. Il y a encore un vote parti ici, je vais avoir une clé big box aussi si le truc qui termine, ça va être intéressant. J'ai eu un petit boost de merde. Ok. Waouh. J'ai gagné un rank up gratuit, je suis champion. Putain. Ça c'est intéressant par contre. Ouais, on a reçu 2 clés big box les gars. GG, GG. Ok, donc là, on va regarder ce que je vais encore gagner dans les votes. Encore un petit boost d'argent, ok. Ok. N'hésitez pas à me dire si vous kiffez cette série, dites-moi un petit peu des méthodes pour miner très rapidement sur le serveur. Très bonne vidéo et merci à ceux qui viendront découvrir ce OP Prison. Bye bye.